Nano, Hugh Zekettner s'adresse aux guitaristes qui recherchent puissance et polyvalence dans un format pédalier avec Ampman. Oui, vous avez bien entendu, cette pédale est amplifiée. À toutes celles et ceux qui ont connu le préampli Tubeman de la marque, avec la frustration de ne pas trouver le bon ampli à mettre derrière, Hugh Zekettner réalise enfin votre souhait. Avec Ampman, essayez l'ampli au format préampli d'une puissance de 50 watts, directement accessible sous vos pieds. Cette prouesse devenue accessible avec la technologie Tone Spirit vous offre tout le grain des préamplis à lampe, avec un traitement 100% analogique. Et comme chaque guitariste a son style de jeu, Hugh Zekettner vous propose deux versions pour deux couleurs de son différentes sur le canal B. Oui, vous avez bien entendu, il y a deux canaux indépendants. Si on ajoute à cela le gate, l'entrée auxiliaire, la boucle d'effet et un boost programmable, un solo, et la sortie Redbox avec 8 simulations de baffles, on cherche encore ce qu'il manque dans cet ampli ultra complet. Allez, fini de causer, commençons par écouter le son clair, dynamique et brillant du canal A, commun aux versions modernes et classiques. Pour cela, on va utiliser cette guitare JNL Tribute AZAD Classic avec ses micros simple bobinage d'une grande clarté. Comme sur les amplis à lampe, le circuit Spirit Ampman Series permet d'apporter un overdrive très naturel dès qu'on pousse un peu le potard de gain. Des réglages, c'est simple et efficace. Hormis le niveau de gain, le volume et celui du master, 4 potards vous permettent de sculpter votre son. Une fois n'est pas coutume, commençons à droite pour y trouver le potard de tone idéal pour définir la signature du son que vous souhaitez. Puis viennent les potards de résonance et de présence pour travailler les fréquences de votre son qu'on pourrait apparenter à du grave aigu. Le dernier, nommé sagging, permet d'accentuer la richesse harmonique et le niveau de compression. Maintenant que vous avez compris le comportement des réglages de chacun des deux canaux de l'ampli Ampman, on change de guitare avec cette Washburn Nuno Betancourt équipée de humbucker pour écouter le canal B de la version classique qui s'adresse à tous les adeptes de son rock british légendaire. Plus métalleux d'entre vous, nous allons chercher une Lag Morgan avec ses humbuckers Seymour Duncan et branchons-la dans la version moderne sur le canal B pour le gros son. Besoin d'un noise gate pour vos riffs les plus incisifs? Pas de soucis, Hugh Zekettner a pensé à tout, avec un potard de réglage simple et efficace. Difficile de choisir, hein? Voici un rapide comparatif des deux modèles avec des réglages identiques pour bien déceler les différences de sonorité sur les canaux B.
Bon, maintenant que vous avez porté votre dévolu sur l'un des deux modèles, voyons du côté des très nombreuses fonctionnalités. Comme tout bon ampli qui se respecte, retrouvez un potard de master, ici en beige, sur le niveau global de votre ampli. C'est effectif sur toutes les sorties audio. Juste en dessous, le potard solo en rouge permet d'ajouter jusqu'à 6 dB supplémentaires à votre master, que vous activez au pied via le switch du même nom. De même, l'ampli Ampman n'a rien à envier à ses grandes sœurs au format tête avec la boucle d'effet activable au pied pour ajouter des pédales d'effets externes. Retrouvez également un switch de boost pour balancer un son encore plus mordant durant vos prestations musicales. Et devinez quoi ? La boucle d'effet et le boost sont activables en fonction du canal choisi si vous passez votre ampli en mode intelligent. On n'en demandait pas tant. L'ampli Ampman ne s'adresse pas qu'aux répètes et aux lives. Jouez également en toute tranquillité dans votre salon avec la sortie casque et enregistrez le son de votre ampli via la sortie Redbox, qui ne présente pas moins de 8 simulations de haut-parleurs. C'est bluffant. Difficile de faire le tour complet de toutes les sonorités que vous pouvez obtenir avec cette nouvelle série Ampman, tant les combinaisons semblent infinies. Si vous souhaitez vous déplacer facilement avec votre guitare sur le dos et son ampli glissé dans la housse, les 50 watts disponibles de cet ampli vous permettront de mettre en voie n'importe quel type de baffle de 4 à 16 ohms. Conçue dans un boîtier métallique solide, la série Ampman offre toutes les fonctionnalités pratiques et innovantes nécessaires aux guitaristes d'aujourd'hui. C'est toujours dans le souci d'un minimalisme efficace que ces deux nouveaux amplis au format pédalier sauront contenter celles et ceux qui recherchent un ampli ultra compact, facilement transportable, avec un son digne des plus encombrants amplis à lampe du marché, pour un prix tout aussi minime.